Just wanted to wish you all un très bon anniversaire à la musicale and say sorry that I couldn't be there in person. You know, a man like me is always on the move. Tough travels. So I've picked a rather marvellous group of musicians to perform instead. Toodle-pip, and do enjoy this Gorillaz live band. Au revoir, la musicale, au revoir. Ce soir, avis de tempête dans les studios de la musicale. C'est la 20e. Alors on va se payer une croisière à bord d'un navire majestueux avec un équipage de haut vol. Larguons les amarres, accrochons-nous au bastingage, attendez-vous à ce que vos cœurs chavirent et préparez-vous à prendre votre pied marin. Nous allons partir à l'aventure avec le capitaine Damon Albarn et ses pirates de luxe, tous aussi talentueux et dingues les uns que les autres. Alors, en avant toutes pour une traversée qui s'annonce inoubliable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au garde à vous. Une vague d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Gorillaz. In the boss dog, planet of the apes. Revolution will be televised, and the pollution from the ocean, now with devotion, push peace and keep it in motion. Kids, gather around, yeah, I need your focus. I know it seems like the world is so hopeless. It's like Wonderland. Now fascinate me, picture and animate me, cause I'm rolling, heat holding, click clacking, crack a lacking, full packing, more stacking, acting a fool when I teach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach.
Mirror, mirror on the wall, boss dog, give it to him, get involved, turn it up, speed it up, slow it up, underground, buddy, under us, undercut, shipped up, chipped out, swimming with the sharks, put my gills up, turn the wheels up real tough, drinking lemonade in the shade, getting blade with a gang of pilgrims. Yeah, this is my path, belly flopping, locking while I'm rocking in the bubble bath. And I'm just like math, four zones added up to get you more cash. Yeah, so quick, so fast, all the kids say they love it when I make them laugh. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Vous êtes bien l'hypnotique brasse ensemble de Chicago? Can I, je peux avoir un check? Un check? Tout le monde peut me faire un check? Merci. J'ai dit, laisse-moi prendre un peu de cette énergie. Oh mon Dieu. Un autre check, merci beaucoup. Are we the lost living souls? 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 You get a gun, how do you say? But that's no way to behave. You're on your own when you begin to sing a song that doesn't say. Away to a sun, another day, or do we know what we know? Does it seem to be construed that way? Are we the lost living souls? 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 So tonight, we've got a lot of
wonderful people coming to and fro. And my great pleasure to introduce Bobby Womack. Selection. We're snowing on the street.
ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam? Oh. I... Oh, dear. Rainstones from the sky.
This morning, you've got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Pretty packages of frosted delight. Look, it comes with a toy. Yeah, I like that. Yo, giving them 4 to 6, throwing a plastic donut. Just enjoy the gritty, crunchy taste, just like chicken. Wrappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? That's a rock. All mixed in the pot full. Hey. Of mama's homemade from scratch. Not quite. Nope. Toasted over for they be tasting quite right. All hell can no snail thing too quick. Your water breeders don't waste your time with your net when your net worth is set. Ready, go, many, no other. Say what? We be the colors, mad and the wicked. We bad, we brick it. 24-hour sun, shower, mind habit. Uh-huh. Dying like rabbits. Say what? Crunchy, crunchy carrots. They got to have it. You gotta have it. Super fast. Hey, make some noise, y'all. Come on. Super fast. Hey, super fast. Hey. For your water breeders, don't waste your time with your net. Uh-huh. Our net worth is set. Ready, go. Many know us. Say what? We be the colors, mad and the wicked. We bad, we be bricking. 24-hour sun, shower, mind habits. What? Dying like rabbits. What? Crunchy, crunchy cabbage. You gotta have super it. Super fast. Hey. Now check it out. I know y'all ready to party. It's a show tonight. Put your hands up. Come on. You look good out there now. Now listen up. Now listen up. Trick is super fast, y'all. Fish is going super fast. Uh-huh. That you can't see them. What? But you wanna eat them. Super fast jellyfish is going super fast. Uh-huh. That you can't see them. Yeah. But you wanna eat them. Super fast jellyfish is going super fast. That you can't see them. But you wanna eat them. Super fast jellyfish is going super fast. Fast that you can't see them. See them. But you wanna eat them. Super fast jellyfish is going super fast. That you can't see them. But you wanna eat them. Super fast jellyfish is going super fast. That you can't see them. But you wanna eat them. Make some noise, I wanna hear y'all. Thank you.
saying I'll be here too long. I don't think I'll be here too long. Yeah, yeah, yeah. I'll pay when tomorrow, tomorrow comes. Joys arise, the sun has gone again to hold you, rolling out the doldrums of the week. The polyphonic prayer is here, it's all around you. All around you, I'm here. These
Salut Damon. On enregistre la 20e de la musicale. Gorillaz existe depuis une bonne dizaine d'années. Donc je me disais qu'on avait plein de trucs à fêter. Du coup, je t'ai amené un petit cadeau. Merci beaucoup. Il faut que tu l'ouvres. Oh, c'est merveilleux. Je me suis dit que maintenant que tu t'es échappé de Plastic Beach, peut-être que ça te manque un peu parfois. C'est vraiment magnifique. Tu aimes ? Oui, j'adore. Vous êtes plus de 70 sur la route, ça fait une sacrée équipe, et vous avez l'air d'être une vraie grande famille. Comment t'expliques ça ? Quand tu tournes avec autant de gens, il est primordial de tenir compte de l'espace de chacun. Et je pense que tout ça encourage un certain degré de respect que tu n'obtiendrais pas forcément si c'était juste un groupe de 4 jeunes mecs. Soudain, ça enclenche une toute autre dynamique. Dans ce groupe, on a des gens qui viennent de la fin des années 60 et des gars qui ont à peine 22 ans. Je pense que ça donne un spectre vraiment très intéressant. Et tout ça, on le partage tous ensemble. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Tous les musiciens qui sont en tournée avec toi actuellement ont l'air d'être juste parfaits pour toi. Ouais, c'est vrai que tout le monde est à fond. Tout le monde est vraiment capable. Ce que je veux dire, c'est qu'on se sent vraiment comme un groupe à part entière. Et d'ailleurs, pourquoi on ne se sentirait pas comme un vrai groupe ? Il n'y a aucune raison à ça. Ça vient peut-être du fait qu'on multiplie les performances, où tout le monde se mélange. Ça peut prêter à confusion, mais... J'ai entendu dire qu'en tournée, vous aviez un studio d'enregistrement mobile qui vous suivait partout. Non, j'ai juste pris mon iPad et un ordinateur. T'es tombé amoureux de ton iPad ? Tombé amoureux de mon iPad ? Ouais, enfin, autant qu'on puisse tomber amoureux d'une machine. Je trouve ça surtout pratique et rapide lorsqu'il s'agit de mettre en forme une idée. Tu sais, quand t'es en tournée, t'as pas vraiment de temps à toi, surtout aux États-Unis. On gâche tellement de temps. Et j'ai trouvé ça vraiment très thérapeutique de faire de la musique tous les jours. Et ce qui en est sorti, c'est une sorte de journal intime qui retraçait mon périple aux États-Unis. En quelque sorte, c'est ta lettre d'amour à l'Amérique ? Oui, tu pourrais le dire comme ça. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Je sors un album à Noël et je ne sais pas encore comment l'appeler. Tes paroles sont souvent sombres, même sans espoir. Est-ce que tu utilises l'animation pour faire passer la pilule ? Ouais, je ne sais pas. L'imagerie créée par Jamie Hewlett est aussi souvent très désespérée. On est tous désespérés, en fait. Je sais pas si c'est si sombre ou si ce n'est pas plutôt de la mélancolie. Oui, de la mélancolie. Je crois que c'est plutôt ça. Tu as travaillé avec beaucoup de groupes différents, mais d'une certaine manière, tu restes toujours dans l'ombre, ce qui est assez à l'encontre de notre société tellement narcissique. Est-ce que c'est plus facile de supporter la célébrité quand elle est partagée ? Ah oui, sans le moindre doute. Je ne suis pas du tout intéressé par ce business, toutes ces célébrités, être observé en permanence. Être surveillé, observé de la sorte, ça devrait être uniquement le problème des jeunes gens. Si tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup, Damon. Merci pour le cadeau, c'est adorable. Merci. Salut, Jimmy. Salut. Comment ça va ? Je vais très bien, merci. Tu aimes les zombies ? J'aime les zombies. J'adore les films de zombies, c'est vrai. J'ai une fascination morbide pour les films de zombies. J'ai regardé Le jour des morts vivants de George A. Romero quand j'avais 11 ans. Ce film m'a tellement effrayé que j'étais en larmes et je n'ai pas pu dormir pendant des mois et des mois. Le personnage de Murdoch ressemble de plus en plus à un zombie, non ? Il est de plus en plus verdâtre. Il pourrit tout doucement, mais sûrement. Il se décompose. Il va mourir un jour ou... Non, il est immortel.
C'est le seul dans ce cas dans le groupe. Oui, c'est le seul qui est immortel. On a décidé pour cet album qu'il serait immortel et qu'il était là depuis le commencement des temps. Et que d'une façon ou d'une autre, Murdoch a joué un rôle dans tous les événements majeurs de l'histoire du monde. C'est donc peut-être lui qui a déclenché le grand incendie de Londres. Ou qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale? C'est possible. Et les personnages ont aussi évolué avec les paroles de Damon? Je crois qu'ils ont changé surtout parce qu'on fait ça depuis presque 12 ans maintenant. Et donc je pense que la musique, les personnages et les idées ont évolué parce qu'on a évolué nous-mêmes. On est devenu, je ne dirais pas plus mûr, mais peut-être qu'on est devenu meilleur dans ce que l'on fait et on a beaucoup appris. Et donc les personnages se sont développés naturellement. Le clip de Stylo est très différent des autres. Il montre une nouvelle facette de ton talent. Comment t'es venue l'idée ? J'ai décidé que le clip de Stylo serait un clip de voiture, parce que le beat me rappelait K2000, la série télé. Je pensais que ça serait économique de juste filmer une voiture dans le désert et ensuite d'animer les personnages à l'intérieur de la voiture. Je n'y ai pas réfléchi trop longtemps non plus. Mais en fait, si tu veux faire ça, il faut louer un tronçon d'autoroute, ce qui coûte très cher. Puis tu dois engager des policiers. On en a engagé 4. Tu dois aussi avoir un camion de pompiers, si jamais la voiture prend feu. Parce que le tournage était en Amérique ? Parce qu'il y avait des cascades en voiture, il y avait des cascadeurs. Il y avait donc tous ces rôles appliqués. Il y avait même une ambulance, un hélicoptère. Mon Dieu ! On était au beau milieu du désert. Et au final, le clip a coûté extrêmement cher. J'ai entendu dire que tu avais rencontré Bruce Willis à Paris et qu'il avait accepté de tourner dans le clip gratuitement. Oui, on a rencontré Bruce. Il était venu voir le Monkey Opera au Châtelet. C'était surréaliste. Il était assis juste à côté de moi. C'était étrange. On est sortis, on a passé un bon moment et après ça, on l'a rencontré plusieurs fois. On l'a contacté et on lui a demandé s'il voulait le faire. Il a répondu oui et il l'a fait gratuitement. Toi et Damon, vous êtes les deux parents de Gorillaz. Les parents. Mes deux papas. Vous vous disputez beaucoup en ce qui concerne vos enfants ? On se dispute en permanence, mais jamais à propos de Gorillaz. C'est d'ailleurs la seule chose qui semble nous mettre d'accord, Gorillaz. Mais sinon, on se dispute pour beaucoup de choses, souvent. Mais tu l'aimes quand même. Je l'aime profondément. C'est l'un de mes meilleurs amis. Mais ça nous arrive de nous battre. C'est plutôt une bonne chose. S'il y a le moindre problème, on l'évacue sans attendre. Ça ne dure jamais très longtemps comme ça. En dehors de Gorillaz, tu as d'autres projets ? J'ai des idées pour d'autres projets. Mais Gorillaz m'a accaparé tellement de temps ces 12 dernières années. Mais il y a d'autres trucs. On a fait cet opéra. On en monte un autre l'année prochaine. Un tout petit opéra. Sinon, j'aimerais faire des courts-métrages. Mais pour ça, j'ai besoin de temps. Ce sera donc pour l'année prochaine, en février. Ok, merci. Merci. I'd like to welcome you aboard our ship, where we're going is has been broken. It's broken.
in the glitter freeze or in our eyes every time they meet. It's by the light of the plasma screens we keep switched on all through the night while we sleep. There's nothing you can do for them. They are the force between when the sunlight is arising. There's nothing you can say to her. I am without a heart and the space has been broken. It's broken. Yeah.
I'd like to thank La Musicale for inviting us to do this and really putting so much into this wonderful ship. These gentlemen are members of the Syrian National Orchestra for Arabic Music. My friend. So, yes, thanks to them, they've just, you know, we had a magical time. So, I'd just like to give them a really warm welcome. Thank you very much.
Thank you.
comes a warranty, someone to rely on if the lightning comes staring in. I wait to be forgiven, maybe I never will. My star has left me to take a bitter pill. That shattered feeling, well, the cause of it's a lesson learned. I just don't know if I can roll into the sea again. I just don't know if I can do it all again. She says, true. Distance and I'm listening to the whispers of knowing it's the same. When you're falling out of feeling and you're rolling in a car again, car I'm caught again in the mystery. You're by my side, or are you still with me? The answer's somewhere deep in it. I'm sorry that you're feeling it, but I just have to tell you that I love you so much these days. I have to tell you that I love you so much these days. It's true. My heart is an economy due to this autonomy. Due to this autonomy, rolling in and caught again. Caught again. Where's North from here? Glitch up, please.
Salut Paul, salut Mick. Grâce à Gorillaz, vous avez pu rejouer ensemble 27 ans après. Vous étiez en manque? Est-ce qu'on était en manque? Mais en manque de quoi? Je sais pas. Non, c'est juste super sympa de jouer ensemble. Mais via une situation musicale tout à fait contemporaine. L'évidence serait que lui et moi, on se remette ensemble pour faire du clash. Pour faire des vieux trucs, des vieux trucs. Je crois qu'il est préférable de revenir avec quelque chose de frais et de nouveau. Et en plus, on est potes avec Damon. Gorillaz est à la fois une aventure multigénérationnelle et une histoire de famille où l'ego semble mis de côté.
Comment vous expliquez ça? Moi, je n'ai pas d'ego. Tu n'as pas le moindre ego, toi? Non. Pas mal de gens pensent que l'ego, c'est le mal absolu. Donc, on essaye de le laisser dans la maison de l'ego. Waouh! Vous jouez sur un bateau ce soir. Paul, il semblerait que tu sois celui qui est responsable du look de marin. Et ça a un petit côté français? Je suis allé chez un de mes amis qui vit à Paris. Je lui ai parlé de cette idée que j'avais eue. Et il m'a parlé de cet endroit à Paris, un surplus de l'armée, où on vendait plein de fringues à rayures. J'ai décidé qu'on devrait porter les casquettes de la marine française. Il y en avait en stock. J'étais vraiment très heureux parce que je trouve qu'elles sont très élégantes. Et le truc bien avec les rayures, c'est que ça va à tout le monde. Les rayures ont cette capacité à unifier. Mais la chose importante, c'est que le noyau du groupe, c'est-à-dire tous ceux qui jouent la musique principale, avec les rayures, on doit tous avoir l'air négligé, un peu dans le besoin, pas rasé. Comme sur un bateau, quoi. Ouais, parce qu'il faut qu'on soit assez convaincant, qu'on ait l'impression... Je suis comme ça depuis le début du projet. Qu'est-ce que vous pensez de l'univers visuel de Gorillaz, de l'animation, tout ça? Ce qui est super, et ça depuis le début, et encore aujourd'hui, c'est que mes enfants, l'un a 19 ans, l'autre 16 ans, quand ils étaient plus jeunes, ont aimé Gorillaz grâce au dessin animé. Et grâce à ça, ils se sont ensuite intéressés à la musique. Et pour eux, c'était un groupe qui était cool à suivre et à écouter. Dans les skateparks, il y avait des posters de Gorillaz. C'est un groupe qui parle à la nouvelle génération. En fait, qui parle à toutes les générations, mais surtout la jeune génération, parce qu'elle a grandi avec. Elle a suivi Gorillaz. Il y a aussi un intéressant message écologique qui est présenté d'une manière très ludique, pas comme un discours moraliste. Des choses importantes sont dites, mais c'est entre les lignes. Pour finir, est-ce que vous vous sentez plus proche d'un personnage de Gorillaz que d'un autre? Murdoch? D'une certaine façon, j'ai vraiment l'impression qu'on est parents. T'es immortel, comme lui? Je ne sais pas. Ok, thanks. Merci. Je suis très honoré de vous avoir dans l'émission ce soir. Thank you. J'aime beaucoup ton chapeau. Hi, Cass. Salut Cass. Salut. Tu connais Damon et Jamie depuis très longtemps, alors pourquoi avoir mis autant de temps à collaborer à Gorillaz? Je connais Damon depuis l'âge de 17-18 ans. Et quand ils ont commencé à monter Gorillaz, Damon m'a demandé de venir jouer de la batterie en concert avec eux. Ils avaient déjà terminé l'album en studio. Et puis il avait rencontré Mick et bossé déjà pas mal avec Jamie. Je suis fan de Jamie depuis pas mal de temps. En fait, il avait déjà essayé de monter un groupe animé il y a une quinzaine, vingtaine d'années, qui devait s'appeler The Sour Grapes. Vraiment? Oui, mais ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Tu joues un rôle très important puisque tu donnes la vie au personnage. C'est toi qui écris les dialogues. You write the scripts, the dialogues. Ouais. So où est-ce que tu trouves l'inspiration? Alors voilà comment on procède. Damon a vraiment sa propre vision sur comment il fait à propos de la musique. Il y a un petit peu de collaboration entre la façon dont Jamie fait ses vidéos et mon travail. On s'emprunte les choses l'un à l'autre et on voit ce que l'on peut faire et on essaye surtout de faire rire l'autre. Alors Murdoch est immortel, j'ai entendu. Ouais, il est immortel. C'est justement l'une des choses dont on a discuté, Jamie et moi, quand on a créé l'histoire de départ pour Plastic Beach. On se demandait comment ce pays pourri, plein d'ordures, perdu au milieu de l'océan, pouvait exister.
Il y avait bien sûr un aspect écologique. Et puis on s'est dit, peut-être que ce monde représente toute l'histoire de l'humanité et qu'il a été jeté dans l'océan. Une sorte de conglomérat des histoires et des désastres provoqués par les humains. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans la façon de travailler de Damon ? Il est juste incroyable. Lorsqu'il s'agit de donner de la force, de motiver les gens, il est vraiment très fort pour trouver des éléments différents, pour assembler deux ou trois éléments qui ne devraient pas normalement fonctionner ensemble et qui, au final, fonctionnent à merveille. Et tous ceux qui travaillent avec lui, autour de lui, voient leur position, leur talent monter en flèche. Il est très, très fort dans ce registre. Et il est aussi très doué pour composer des mélodies, ce qui est vraiment une bonne chose. Oui, c'est aussi plutôt important, oui. Merci beaucoup, Cass. Merci. Hi, Bobby. Salut Bobby. Salut bébé, comment tu vas? Et toi, comment ça va? So you know Dennis Hopper. Dennis Hopper avait accepté de travailler avec Gorillaz parce que ses enfants l'avaient supplié de le faire. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette aventure? Ma fille entre, elle vient d'avoir 23 ans et elle me dit: Papa, mais pourquoi écoutes-tu Gorillaz? Et moi, je lui réponds, pourquoi? C'est un crime? Et je lui demande alors si elle connaît Gorillaz. Elle répond, c'est le truc le plus branché du moment, papa. Par pitié, quoi qu'il te demande, fais-le, fais-le. Ça m'a un peu énervé parce que j'ai écrit des chansons pour les Rolling Stones, George Benson, pour plein de gens, Janis Joplin. Sam Cooke. Ouais, Sam Cooke. Et je dis à ma fille, et tu n'es jamais réagi comme ça? Et elle me répond, papa, je n'étais même pas née. Alors avec toutes ces collaborations que tu as eues dans ta vie, qu'est-ce que Gorillaz t'a apporté? Qu'est-ce que t'as appris avec eux sur scène, en tournée? J'ai appris en regardant Damon travailler en studio que j'avais été comme ça, moi aussi. Je me suis dit que ce mec pétait le feu, qu'il assurait grave. Et je n'ai jamais vu aucune drogue en studio. Et si j'en avais vu, ni une ni deux, je serais parti. Il n'arrêtait pas de travailler, encore et encore. Et je me suis dit que ce mec pétait le feu. J'ai alors prié Dieu, j'ai prié pour lui demander de me rendre mon talent et que jamais je n'en abuserai. Tu t'attendais à devoir écrire les paroles de Stylo? Non, Damon, c'est un mec étrange. Il m'a dit, tu n'as rien d'autre à faire que d'y aller. Et peu importe ce qui te traverse l'esprit, ton divorce, tes impôts, dis-le. Je n'avais jamais procédé comme ça. J'y suis allé et j'ai commencé à penser aux impôts que je devais, à la femme avec qui je venais de divorcer. Je suis devenu complètement dingue. Il a dû m'attraper et il m'a dit, on a ce qu'il faut. Tu t'es lâché pendant 15 minutes et moi je continuais. C'est incroyable. Merci beaucoup, Bobby. C'était un immense plaisir. Trying to find someone
you never, 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 never know. Seeking love on the cloud of unknowing, every satellite up here is watching, waiting to see what the morning brings. It may sunshine on its wing. Woo! Love is free, let's turn forever, you and me. Hey!
Paris, make some noise for the Gorillaz! Big Jones, Paul Simonon, Yeah.
Ça vous a plu? C'était une bonne 20e musicale? Vous avez passé une bonne soirée? Eh bien, je tiens à vous dire que tout cela n'aurait pas été possible sans la passion, la patience qu'a mis Stéphane Saunier. S'il vous plaît, un énorme big up pour lui. Nous sommes ravis. Maintenant, nous allons lever l'ancre, n'est-ce pas? Ça va être un peu dur avec une seule main, mais je vais essayer. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à bientôt. All good news now, because we left the town.